alobioza moko ya bakuluna bazotungisa population na comportement na bango bazo trouver ordre public bazo buka biloko abatu koiba kobotolo kobeta koboma intimidation na terreur yango atindi yo liboso na biso poto sambisa yo soki ya solo eyebani ke oza moko na ba oyo babengi bakuluna etumbu eza moko kaka eza 20 ans ya boloko oyoki bakangi wapi bakanganga na boulevard royal nde wapi na gombi na supermarché SK na SK mukolo nini le 29 novembre na ngonga nini 9h ok osala nini dans la salle à cirage osala ka cirage osala cirage wana na SK na pekisa kosala cirage jamais bozalaka batu boni bosalaka cirage wana ezalaki ebele nalekaka wana nabongisaka mpe sapato wana soki nalingi namoni ke ebebi me natika komona bakangi mpo nini sireur moko te sik bakangaki bino batu boni tovandaki wana bakangaki bino batu boni bakangaki so 4 personnes baza wapi basireur baninga na yo na kalufungola yo nde baye na yo awa olobi bakangi yo na kalufu na nini na boulevard na monjiba mwene tozala kitambo jusqu'à ce qu'on appelle port ya sosimat calme toi jusqu'à sosimat c'est le rond-point sosimat qui nous sépare de la commune de la Gombe sur monjiba. Lorsque on est à Natandé, est-ce qu'il y a Wapi? Est-ce qu'il y a Royal? Oui. Est-ce qu'il y a Royal? Oui. Est-ce qu'il y a Kangaki? Oui. Si vous avez Wapi, la cachée est Wapi? La calfungo, la del cagé. Si vous avez l'indi, vous avez l'indi. 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 Vous l'avez pris ça où? Est-ce que c'est là où il cite qu'on l'a arrêté, qu'il a été arrêté? Il dit qu'il a arrêté sur le boulevard Lumumba. Là, nous ne sommes pas à Monjiba. Là, nous sommes à Lumumba. Et c'est le boulevard des 30 juin. Là, nous sommes sur le 30 juin. Et là, nous sommes déjà à la Gombe. Et même le Fungula ne dépend pas de notre ressort. Oui, allez-y. Banani Bayena Awa. Kabassel et Akal Fungula. Et Akal Abisso, 29 personnes. Bakiti biso 7, le reste est bazongi na bango. Biso nde tokita. Tant que bakiti sa bino 7. Oui. Vous bakiti sa bino poani. Bakiti sa ngai, baeka ba vandisi biso kabase le baluke. Parmi baninga na bino boza ki na bango 7. Yeah. Vous bakiti sa bino, est-ce que vous avez bango ao? Non. Est-ce que... Maître, est-ce qu'il y a deux tribunaux? Qu'est-ce que vous soufflez au prévenu? Soyons professionnels. Soyons professionnels. Soyons professionnels, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous-même, vous constatez les comportements de la défense. Est-ce que bato bokangaki bango bakangaki bino wana 7 bango nyosu bazawa? Oui, baza tanga bango ba bima awa bango nyoso Il se va quand même sur la main à foule. Simone, Simone,
Bakangi yopo uchi kosala mbulu na kanko kolo kulu na peza kuna papa si bana na biso na kanko kanko kolo kulu na zate na kanko kolo na tuni kulu na zate na kanko kolo kulu na zaba peza siko yo ozo sala na butu kikuluna na moyo komi sirere na kisirere kaka wana ozo tala baposha ya batu Kabasele ya polisi azo luka batu nyonso oyo bazala solo ya kuluna. Omoni bila bakose la kaba polisi. Ke batiki ba wopo bapesi musolo. Aloke yona bango, bozala musala moko. Kosoko la sapato se 1000 francs opesi mutu. Bango bapesa kiboni na polisi wala po atika bango. Bango de abasala ki, ngana ena salite. Kozwa bazwi bisola bango bakele bisola bango na kalfungula. Bazaki na bambongo sur place. La petit bambou, pourquoi n'a pas été la numéro famille, la belle répété. Bon, on a la numéro papa. Et n'a pas été la numéro, mais message n'a pas été la maman payaki. Batiki kakate. Bon, on va se maquiller, maman qui n'a pas été la 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 maman qui n'a pas été Même si on a fait la zéro côté. La constitution, ce qui est au fond, c'est que tout ce qui va kangiye, va ebisae na tina nini va kangeliye. Yo, va ebisae que sali nini. Tant va kangiye, va ebisae na gete, va coopérer dans la ville, à Sirage, va oubouer à Bango. Na ebisae va on habite, biso tout ça, la kara va kabasse le kakemona abiso, et la la abisote. Na kokima na pende na kokima na traverser boulevard moto eko tout tamay. Mokima ki? Oui, makoma da 0 mètre na biso place tous ali ba kanga kanga. Est-ce que bango mo sous ba kima ki te pour ali? Bang ba biso da ba kima ki ba kei ba kati bangam. Wa za ki distrait pour la bande au ciré. Ko si ça aussi ça mutu ko peso ape sanga mbongo a comme da 0 mètre na nga. Na kimi na traverser boulevard. Na nga comme da ze bande na traverser moto sani. Et tout signe. Ma personne a mis balé bazakiana. Ma kangi moto. Ta moto le roi Zaki sincère a zoni type la signe à Zali. A tel émis signe. Ma police va t'y dire, va se voir la cac. Et ma police a un bazak, ma moto va y aller, va vouloir la chichon qui a ma casse. A tel émis signe. Bando sur la lampe à personne a mis ici 30 000 francs. A personne a besoin au son babakis. Ma zumbo ou alors la simile à ma boucle. Fallait pas ça maintenant. Kosi ma simina maboko ba police ba ye lokwa ba mona otambula me nazamwa boate bazwinga ba kontinga na kabasi bazwinga bango yote bazwina 30 000 francs na maboko na ifale batika yo parce que baninga na yo mosusu wana ba pesa ki moins de 30 000 tu ne vas pas nous dire que un sireur y a ni même si c'est sur boulevard na 9h a kosala 30 000 francs tu ne vas pas nous dire ça et c'est quoi Baninga va pesa ki mbongo boni na police pour batika bango. Ba msu va pesa au moins de 20 000. Na yo za la 30 000. Ba comme na compagnie qui te ti ba comme na nga kuna kal. Mais ça public, qu'est-ce qu'il a fait? Attendez. Mutombo, nzo. Nando to noza na kombe de cicatrice. Na za ngo presque belé ya moto pour na kumba pe moto. Tine longi. Ah. Oza bu moni. Dans ma porte à Nyon, ce sont les gens qui ont été en moto. Je suis sur ma vélo. Vélo? Oui. Quoi? Tantôt, je suis sur ma vélo, la quartier, pour éviter la tête de coco,
Et ça, il y a des gens qui ont ni poté à gilette, ou soit à Libanga ou quoi, Naza en route. Merci. Donc, yon, finalement, ça, la moussalani. Il y a un peu de combat à moto, il y a un peu de combat à vélo, il y a un peu de sireux. Finalement, on sait comme ça. Moto, on a quand même un peu de après ça, on a mineur, on a boule. On a mineur. Ouais, on a mineur. Nous sommes mineurs. Tu es mineur. Je suis mineur et je suis moto, comment est-ce que tu as fait? Moto, je suis en moto de 2018. Au Tika. Oui. Entre moto et sireur, qui est foutu? Moto est foutu plus que sireur. C'est quoi? Ce sont les cas moto. Tu es en train de la moto. Pour ma moto, je suis en moto de confiance en pesant sur moto. Pour la nuit, pose à mon amabé. Pour moto, je suis en train de moto pour Azak et Nada Matadi. Azara et Souté. Il y a un peu de débrouillage de l'homme sur la salle. On a quand même connu la carte à l'écurie. Tu es en train de l'écurie. Je suis en train de l'écurie. Finalement, au tigre moto, au tangi, au tigre moto, au kéko sala, au kéko boula qui sire. Moto la no boula va se ligne, son outil classe. On a suivi sa réaction. Merci beaucoup, monsieur le président. Oui, vous avez constaté que il a voulu d'abord nous faire croire que lui, c'est un sireur. Il a été arrêté, on vient, on met seulement la main sur lui comme ça, et la police part avec lui, il lui demande de l'argent pour les libérer. Mais monsieur le président, nous avons fait défiler les gens avec qui il était arrêté. Ils viennent de Mongafula. Tous ont été descendus du véhicule parce qu'ils étaient identifiés être arrêtés à Mongafula, monsieur le président. Tantôt, il nous dit ici qu'il était élève, motard, et je ne sais pas, sireur. Monsieur le Président, vous allez juste comprendre qu'il a juste tenté de vouloir tromper le tribunal, monsieur le Président. Il a juste voulu tromper le tribunal. On pouvait peut-être croire s'il allait dire que non. Baben Amutoyo, Akana Kingapoya Awa. Les amis avec qui il était arrêté, il venait de Mongafula, monsieur le président. Ils étaient descendus ensemble, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, monsieur le président. Et puis il dit encore que non, il avait 30 000. Pendant que ces policiers cherchaient de l'argent et qu'ils avaient retiré 20 000 francs des autres. Mais lui, il avait 30 000. Et pourquoi on ne l'avait pas laissé, monsieur le président? Tout ça, ce sont des mensonges pour éviter de pouvoir tomber sous la rigueur de la loi. Monsieur le président, nous avons dit. Deux interventions de la défense. Deux. Allez-y, c'est là que vous êtes organisé. Monsieur le Président, nous soulignons ici que peut-être le tribunal n'a pas saisi et le garde poursuivant l'intervention de Mutombo. Mutombo n'a pas dit ici qu'il avait été arrêté avec ceux-là qui ont été ici devant nous. Il a dit qu'ils ont été embarqués dans les mêmes véhicules. C'est ça ce qu'il a dit. Nous étions embarqués dans les mêmes véhicules, on nous a amenés direction là où on les a amenés. Mais pour le moment d'arrestation, Mutombo a été arrêté seul. Il est certain que ceux qui nous ont été ici, ils ont décliné que non, ils ont été arrêtés à Mongafula. Mais lui ne peut pas dire autre chose. Il a dit, il a souligné l'endroit où il a été arrêté. Monsieur le Président, la question que nous voulons poser au ministère public. Allez-y. Puisque Mutombo a été arrêté sur boulevard, le ministère public, quel acte que cet enfant aurait commis pour justifier sa présence devant le tribunal de CEA? Ministère public. Merci beaucoup, monsieur le président. Avant de répondre à cette question, nous ferons d'abord la lecture de l'article 157 du code pénal militaire porté par la loi de 2002, monsieur le président. Constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public. Monsieur le président,
La police a fait son travail, a mis la main sur ces prévenus qui, du reste, ayant commis individuellement ou collectivement les faits réprochés par la loi, et les a tous embarqués, comme nous sommes dans une procédure de flagrance, monsieur le président. C'est pour cela, dans ce lot de gens qui ont été arrêtés à Mongafula, ils les ont tous transférés devant le ministère public, et le ministère public les a présentés, monsieur le président. En ce qui concerne le prévenu ici, monsieur le président, vous allez comprendre qu'il fait partie d'une bande, malgré tout, lui, sa réaction, il va nier, monsieur le président. Il va nier. Et c'est son droit le plus légitime, monsieur le président. Confronté à ses amis, il a manqué même à dire. Déjà, vous allez relever qu'il a menti. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre encore de lui, monsieur le président? Nous avons dit. Deuxième intervention. Monsieur le président, votre honneur, je voudrais attirer l'attention de votre vice-tribunal par rapport au comportement du ministère public. Parce que le règlement de droit intérieur des cours et tribunaux est parqué dans ces articles, je crois, 109 et suivants, insiste sur le fait que lorsque le ministère public reçoit un procès verbal de l'OPJ, une plainte, il devra vérifier avec minutie si les preuves de l'infraction reprochée au prévenu sont apportées. Et évitez à ce que votre vice-tribunal ne soit saisi sur des faits dont vous êtes incapable d'asseoir votre fine conviction. Merci. Nous rappelons ici que nous n'avons aucun PV sous notre barbe et que nous sommes en procédure de flagrance. Nous avons été saisis par la présentation. Nous avons accordé deux interventions. Nous pouvons ajouter une dernière intervention. Je clôture avec l'autorisation. Allez-y. Pour dire que l'acte matériel qu'on a posé les prévenus ici présents, le ministère public ne sait pas l'apporter. Et puis lorsqu'il dit que le prévenu a menti, mais sur la simple déclaration que s'il a été arrêté où? Il a dit qu'il a été arrêté à Royal et qu'on l'a mis dans un convoi pour une destination où c'est à Kankokolo. Et c'est là qu'il a trouvé d'autres prévenus. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'infraction qu'on lui reproche? Troisième et dernière intervention. Merci, monsieur le président. Je vais rester dans votre optique parce que la prégnance de ces droits voudrait à ce que lorsque une personne est poursuivie en matière de flagrance, c'est le ministère public qui le présente devant le juge que vous êtes. Et lorsque le ministère public présente, il vous dit pourquoi cet homme est poursuivi soit par clameur, soit par parce qu'on l'a trouvé en flagrant délit. Et il va vous dire, monsieur le président, je vous amène la personne ici parce qu'il a commis tel fait. Voilà, je le présente ici pour que l'instruction se déroule devant vous. Merci. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous comprenons? Monsieur le président, je suis sidéré. Que le ministère public pose aux prévenus, dites-nous, vous étiez combien, vous étiez où? Alors que même la compétence, avant de déférer une personne, on doit analyser premièrement la compétence. Reus in excipiendo fit actor. Si l'accusation ne sait pas s'asseoir, asseyez-vous. Mbouya Ibanda Emmanuel. Mbouya. Baba. MB. Mokozami Beko alobi na ebandeli ya dossier oyo oza moko ya bawe babengi bakuluna. Ki baba. Bakuluna musala na bango yebani eza kobuka koboto lokoyiba kobeta. Neti l'état aza te parce que façon ya ko procéder na bango ezo kobangisa
ce qui est solo, ils ont bongo et tout le monde a 20 ans. Le ministère public, qu'est-ce que le premier Bouya a fait? Merci beaucoup, monsieur le président. Revenez, Mbouya. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur le président, nous sommes dans une procédure de flagrance. Monsieur le président, nous sommes dans une procédure de flagrance. Lorsque nous présentons l'accusation présente les présumés coupables des faits devant le tribunal qui siège à cet effet, il relate les faits. Il relate les faits. Il donne les faits au tribunal. Ce sont ces faits-là que nous voulons savoir. Ne nous rappelez pas que nous sommes en flagrance parce que nous le savons. Qu'est-ce qu'il a fait? Merci beaucoup, monsieur le président. Nous venons de lire ici l'article 157 du Code pénal militaire. Cet article poursuit les personnes qui commettent des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d'attenter gravement à l'ordre public en procédant par des pratiques d'intimidation, la terreur, monsieur le président. C'est prévenu ici, monsieur le président Mbouya, arrêté ensemble avec ses amis. Il a participé dans la commission des actes de terreur en vandalisant les quartiers, monsieur le président. La communauté où il habite, monsieur le président. C'est comme ça que la population est en marre de ces comportements orchestrés par ces groupes de gens qui sont de la terreur, monsieur le président. C'est comme ça que la population a collaboré avec la police. Et la population a eu même peur de se faire dénoncer. Et la police, faisant son travail, c'est comme ça qu'on a mis la main sur lui aussi, monsieur le président. Nous avons dit. Attendez, vous avez réagi. On nous a donné les faits. Nous notons ici que toutes ces personnes présentées, et notamment le premier Mbouya, ont été arrêtées ou mieux interpellées par les services de sécurité à la suite des opérations ciblées de bouclage. Bouya. Zoa micro. Ok. Ofandi wapi? Mwaluka. Bakangie wapi? Bakanganga mwaluka, dipo mabaya. Dipo mabaya wapi? Toebi mwaluka, tomoni yango deja mwaluka. Wapi? Ava uko ma arepoza vi. Awe wabenga dipo mabaya. Utinda kuna zaina gutu. Ya mkia rubu kuna ya kabini kuna tikaona shaji. Nangongani. Zéba onzea. Ndeka batele ndeba nda tsikile. Bate maki na nanini na poisse. Bate ki jipa haba suda wa panjani. Ndo mune ba kangana mamu. Sala elufu. Na onze. Eba onzea. Tabasele zo leka. Bakangika kayomoko. Eba kangana mamu. Bon, naba jeni uba wanda kama. Baza wapi ba jeno bakangaki na yomukolo wana. Baske ba otu nyoso bakangaki mukolo wana baza awa. Les hommes colonines.
na propage na celle une semaine. Ah né à celle neuf ici, on a eu bas six jours, c'est quoi un beau sein. On se voit jour t. La kanga qui bino va tout boni na malouika. Nga ba kanga nga muku. On kamo été. On se sait le côté. On a qui tolo poule le cabo. Il y a une chemise balongole à dis. Balongole à ngandi na propage. Est-ce que ça qui ma kolongulu cabo? Pour ceux qui ont aboyé, des polices et comment la qui ont suspect. Mais on a dit chemise, on a dit pantalon. Attention que ça la ma papa kaka. Bah on canne au problème. Bah tu qui va tout nier sur. Pourquoi mais n'aurait pas tout suspect basalaki. Et là on a rien de pour la. Si encore on a. On a qui a beaucoup 11h du matin. On a qui a mon côté. Bah la maï basali, bah la chisa. Bana yanguba bana wateka kababilo kwa mosusu batoyi mamondongo bangoso bazoleka batiki bango kaka yo buya papa osala kini iloje papa balaboni bakanga yo o première fois ah pamba kaka pamba obunda kate yabunda obeta kate oboto la kate oiba kabilo kwa bokote si. Obuka kapete lo aussi bakangio kapamba nani mtu akangaki yo oto bengi sae izae ninyo kabasi namoni tena basu na basu dawa panta indi baka jipe te kaka pona yo te kaka pona ngamu te ngande baka nganga ngamuku siango tolobi pona yo moko kaka na reo wana basu dawa panzani okamu ete Bakoyana wana yani. Bajeni ajina yo bazala kite paswana. Majenga so. Oui. Batuwa ndi bazala. Sikoyo. Ba bana basi bazala kite. Po tomoni na bana basi bafandi. Ke ba basi bazaiki. Ba mama bateka ka pembeni ya balabala. Bazala. Bango bakangi bangote. Ke ba bakangi bangote bakala ngani. Bana ya mai na ba nini ba ji. Bango bakangi bangote. Bango bazo teka ba biloko oyo banzete nzete bango pe bakangi te wana evite ya chef oui tozo kamwa kaka yonte bakangi o kamwe te yangwani eka mtanga pe sikoyo mokoza ibeko alobi oza kuluna yo musala na yo kotungisa population ya kuna ya malweka papa wabi malobi bale reaction na yo babi ngata pina mwako nga bula na mwotu na chauffeur wa mwotu na hiba wa peti wa kama kubula ni susu na mwote wa papa mwoto eza wapi kwa mwoto eza wapi mwoto eza wapi kina zaya mwoto ki wajua na mwoto ki sikoi na waka nga briske na nchini briske haa mwoto na zaya na mwoto bauta wate kama mba zile sika kasiko hibi sinisu baka mwa mwoto pasu zaki na mwoto te haa na zaya wakulu na mwoto kwa zaki na mwoto tunge to senga mangua ya na mwoto wana yo mwoto zaki na mwoto te haa so mwoni ke baye ba kiyo baye kaki solo na yo ya mtu mabe nakati ya mamota na motocycliste bakulu na pe bazali bakulu na pe bazali siko so yebi ke bazali bakustura bakulu na trois réactions de la défense trois allez-y maître merci beaucoup monsieur le président de la parole nous accorder. Je crois que dès l'entame de ce procès, c'est tout ce que nous qui sommes de la défense, nous étions en train de souhaiter. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte de la légèreté avec laquelle... Est-ce que nous pouvons élaguer ces mots de notre vocabulaire? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je les retire. Vous savez, mais je fais constater... Attendez. Lorsque... Vous voulez dire de à quelqu'un ou de lui qu'il est mort. Et pour éviter de lui faire mal, vous direz qu'il dit des contre-vérités, qu'il ne dit pas la vérité. Ça lui fera moins mal. Et donc nous devons ici nous éviter ensemble de nous choquer. Évitez-nous de nous suyer avec le vocabulaire comme à l'espèce. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comprends la réaction du tribunal qui tente et tant soit peu de sauver les meubles.
Mais moi, si j'étais juge, j'aurais sur les bancs décidé de ce que les messieurs soient déliés des fins de poursuite. Parce qu'on vous présente un prévenu, je ne voudrais pas entrer dans les libellés de l'infraction, mais l'on devrait quand même vous dire quel est fait le prévenu a eu à commettre. Il a été interpellé pour terrorisme et on s'arrête là. Vous, vous êtes juge répressif, ce ne sont pas les dispositions légales qui vous saisissent, ce sont les faits. Et c'est sur base des faits sur lesquels vous êtes saisi que vous tirez les conséquences de droit et établissez des responsabilités. Nous sommes restés sur notre soif que les ministères publics nous disent pour quel effet il poursuit M. Ibanda ici présent. Que si ces faits-là ne sont pas rapportés et que donc, M. le Président, au lieu d'encombrer inutilement votre tribunal, vous pouvez même décider sur les bancs de leur acquittement et personne ne vous en voudra. D'ailleurs, la patrie vous sera reconnaissante parce que vous avez rendu œuvre utile à la justice. Mmh. Que l'on nous dise quels sont les faits Merci. Qui sont mis à charge de M. Ibanda. Merci. Merci. Deuxième intervention. Merci, M. le Président. Toujours dans les mêmes sens. Je n'aimerais pas rester comme un philosophe, mais qu'on lise au moins la loi. L'article 2 de la loi numéro 78-001 du 24 février 1978 dit ceci. Est qualifié d'infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Vous venez de suivre le prévenu. Il vous dit, depuis qu'il a été arrêté, ça fait 9 jours. Monsieur le Président, est-ce qu'il est encore impérieux qu'on parle de la flagrance? Merci. Et dans ce sens-là, Monsieur le Président, s'il y a lieu, que vous puissiez dissoudre l'action à son égard et que les ministères publics puissent instruire librement, on va continuer avec lui. Nous avons dit. Merci. Parce que c'est la loi. Les juges, si le ministère public est organe de la loi, le juge est plutôt organe de la légalité. À propos de l'article 2 vanté, nous devons chercher tous ensemble de définir ce que c'est que la flagrance. Au-delà des termes du législateur, la flagrance, c'est lorsqu'on en parle. C'est lorsque c'est d'actualité. C'est lorsque il y a l'émoi du collectif, l'émotion du collectif. Je ne sais pas rappeler ici que on en parle de la délinquance urbaine. C'est chaque jour. C'est hier. C'est avant-hier. C'est aujourd'hui. On m'a dit lorsque je suis ici à 9h que déjà le jeudi, lorsque nous avons quitté ici, les jeunes des vrais délinquants du secteur où nous sommes, et ils sont là, ils sont en train de m'écouter, ils sont débarqués pour s'en prendre au voisinage qui a reçu le protocole. Ils sont ici, allez-y, demandez. Et donc c'est lorsqu'on en parle encore, lorsque c'est d'actualité. C'est ça même l'interprétation de la loi. Nous devons nous quitter de cette économie du temps. Le prévenu dit, on m'a arrêté, j'ai fait 10 et j'ai fait plus 9,
que donc aujourd'hui il n'y a plus clameur. Mais on en parle. C'est ça même la clameur. On en parle. Et c'est d'actualité. Ici, dans les ressorts d'Engaliema, et aujourd'hui même dans les ressorts de Tchangou, et même partout, on en parle et c'est d'actualité. Troisième intervention, si elle n'a pas, nous allons évoluer. Nous courons le temps, nous sommes déjà à 17h15 et la sécurité ne nous permettra pas ici merci, de quitter la nuit, président. Sinon de se retrouver en face de ceux-là même, on en parle. Merci Monsieur le Président pour la parole. Allez-y. J'aimerais ici revenir sur un petit point et une petite observation. Allez-y. Autant vous nous avez demandé d'être professionnel, autant doit l'être le ministère public. Attendez. Je reviens, Monsieur le Président. C'est pas juste par rapport aux faits. Oui, c'est par rapport aux faits. J'en reviens. Attendez. Le tribunal ne dit pas que lorsque le tribunal vous renvoie à la clameur, il est d'accord avec le ministère public. Vous-même, vous avez vu comment le ministère public a commencé. Il a posé la question au ministère public de nous présenter les faits pour lesquels il a présenté, et ça sera comme ça pour chacun des prévenus. Et donc, chaque fois que le ministère public présente les faits, tirez-en profit. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Actori incumbit probatio, reus inexcipiendo fit actor. Parce que la preuve appartient au ministère public de démontrer au tribunal qu'est-ce que Mbuya a fait. Il appartient à la défense de Mbuya de dire qu'est-ce que Mbuya n'a pas fait pour les décharger. Nous ne sommes pas d'accord avec le ministère public à 100% parce que nous sommes juges. Vous êtes tous partis au procès et il y a égalité des armes. Et soyez rassurés. Merci, Monsieur le Président. C'est juste que allez-y. Nous voulons que ça soit acté. C'est pourquoi nous revenons sur certaines choses. Revenez sur ce côté. Et si vous posez des questions, Monsieur le Président, faites-les. Pour que le ministère public vous dise la matérialité des actes posés par chacun de ses prévenus et le tribunal avisera. Oui, Monsieur le Président, cette question a été posée, mais j'y reviendrai quand même. Merci. Je vais tirer les conséquences pour revenir au moment de la présentation. Ça va. Réagissez, ministère public. C'était trois interventions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puisque vous avez même déjà eu à anticiper, parce que vous êtes juge actif, très actif, super actif même, Monsieur le Président, en procédure pénale militaire. Monsieur le Président, nous sommes dans une procédure spéciale. Vous savez que, de principe, la liberté de la preuve en matière d'administration de la preuve devant le juge pénal, le principe qui le régit, c'est la liberté de la preuve. Mais Monsieur le Président, je veux que la défense puisse retenir ça aujourd'hui. Que le législateur, en cette matière spéciale, en cette procédure pénale spéciale, qui est de la flagrante, Monsieur le Président, en son article 2 étant vanté par eux-mêmes, est qualifié infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Point, Monsieur le Président. Deuxième alinéa, ce n'est pas une méthode utilisée par les législateurs pour dire qu'il faut que le temps et l'accumulation, ou soit que ça soit cumulé avec ce qui est dit au deuxième alinéa. Le deuxième alinéa dit quoi, Monsieur le Président? L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse de faits. J'en passe, Monsieur le Président. Ce n'est pas cumulatif, c'est alternatif, Monsieur le Président. C'est l'administration de la preuve légale qui est déjà prévue par le législateur. Si on veut reculer 2000 ans, Monsieur le Président, notre Seigneur Jésus-Christ, il a été condamné par la clameur publique. C'est le peuple, c'est la population qui se voit être victime. Et c'est bien précisé même à l'article 157. Sans reprocher, on ne peut pas se claquemurer dans des définitions pour dire non, l'article 157 réprime tels actes. Mais quels sont les faits mis à charge de la personne prétendument appréhendée sous la voix de la clameur publique? Merci. C'est ce qu'il ne vous dit pas. Et s'il n'y a pas de réponse, nous comme procéduriers, nous allons tirer toutes les conséquences. Merci. Yo, comment on est? Likia Otu DJ. Likia.
Liki a onjundi. Dieu. Septence. Liki a. Papa. Valobi yo zamoko ya kuluna. Musala na yo. Kobunda na machete. Kobeta. Koboma. Koiba. Kobotolo. Kobuka. Ba population balembi. Yango batangi yo. La police ekangi yo etio maboko. Batindi yo sikoyo na bazuzi. Po basambisa. Soki ya solo emonani ke osalaki kikuluna etumbo eza moko kaka eza 20 ans ya boloko oyoki naoki papa ministère public le prévenu likia papa chudi qu'a-t-il fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme nous l'avons dit tantôt, Monsieur le Président, il est parmi les gens qui sont dénoncés par la population au service de sécurité. Et en procédant aux opérations, on a mis la main sur lui parce que la population en a marre. Vous étiez, je n'étais pas la plupart des membres de la défense. N'était pas lors du premier procès, monsieur le président. Il avait plu. Là, tout le monde retient. Le premier jour, il a plu. Mais, différentes communautés, ou soit la population s'est déplacée de partout pour voir comment l'État congolais peut s'assurer dans la répression de tous ces prévenus présentés devant vous, monsieur le président. Il criait ici, il disait même pour d'autres, s'il n'y avait pas l'intervention de la police, il devait être brûlé, monsieur le président. Et c'est comme ça que le ministère public les a présentés par devant vous pour qu'ils puissent répondre de ces actes tant décriés par la population et ciblés même ayant fait objet des opérations de la police. Dans cet objectif, monsieur le président, nous avons dit. Merci. Vous ne nous avez pas dit où est-ce que, où précisément, ce prévenu a posé les actes dont nous sommes en train de connaître. Alors, si vous pouvez. Vous ne nous avez pas dit où précisément. Ce prévenu a posé les actes et lesquels. Monsieur le Président, le ministère public qui est appelé le défenseur de la société, c'est cette société qui a dénoncé ce prévenu par les services de sécurité, entre autres la police. Monsieur le Président, il a été bel et bien ciblé à Mangafou, là, Monsieur le Président. Arrêté. Où il a commis les actes de terrorisme, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que le ministère public, face aux cris de la population, n'a pas hésité. Parce que la population les a identifiés. Et le service de sécurité a mis la main sur toute personne qui a été identifiée. Et cette population qui a peur. Monsieur le Président, vous allez comprendre que c'est la clameur publique. Mais une clameur publique qui commence à se taire un peu parce qu'ils ont peur de la terreur. Et ils ont été identifiés. Lui, personnellement, a été aussi identifié, monsieur le Président, pour les actes de terreur dans la population. Si il y avait des victimes, vous avez fait appel aux victimes ici, monsieur le Président. Vous allez voir que
les populations vont citer quels sont les biens, parce qu'il s'agit des extorsions, des vols, monsieur le président. Mais la population allait bel et bien préciser quels sont les biens qu'ils ont eu à perdre. Nous avons dit, monsieur le président. Prévenu Likia. Bakangi wa. Bakangi wa la monga fula. Mukoloni. Bakangi le. Bakangi vendredi. Mukoloni. Date ni. 11e mois. Date. Le 15e jour du mois. Donc, le 20 combien? Bakangi vendredi na. Le. Le 29. Le 29. Bakangi wapi précisément? Bakangi na lopango. Wapi? Na quartier Kindele. Avenue. Avenue Mbujimayi. Banani bakangi. Bati bakanga wa police. Bakangi moko? Bakanga nga moko. E pa na bino? E pa na biso. Baiki koluka yo? Baya koluka ngati. Bakoti kaka bakuti yo na nani? Bakuti nga pena mutu tenga la sala na boulangerie za pena lopango. Ba bakoni ezala tocha ngo liba oui. Na ba. O sala ka boulangerie quand même yo mon côté. Nga mote toza ba tebele. Ba jeune lokola yo bazali. Bazali. Bango batiki bango. Te ba jeune ba te baza ba kolo nga siko lokone. Nda changa na dongi na za. Malende. Bosala kama payo, osala kama payo moko. Nga morote. Bozaki ebele? Yeah. Nakati na bawo Yesu osala kama pa. Bakayinga kayo moko. Bakayinga ka nga moko. Bamusuba tiki bango. Yeah. Pona nini? Na ebite. Somoni ke bazayi bayaki koluka yo. Baya koluka ngate papa. Eza nde bawo tambola bouclage. Nga na bimina balabala. Pona zwa koni. Na morning. Ba 2h. 2h du matin. 2h du matin. Kuni bolokota kangola balabala. Tolokota te ezala na balabala, bakati nzeta manga, bakati ba moksu. Ezala balabala, moye mutuke kota na lopango te. Neto kindara ozui olegi na otina sima la boulangerie. Sikoyo muto bande ko kumba bakuni wana yo moko kaka. Nga mokote, eya na mutuka. To tuni boye. Mm. Bakangi batuboni bazo kumba kuni. Bakanyi donc bakanyi bato ebele na boulangerie ya yeah. Nana bakanyi nayi na ba bande kuna musu bana tekrin awa awa bazate sawa bakangi yo ozoku makuni na nani na mutute. Yo moko. Nga moko. Biso lupango wana prince. Makamba lupango etali biso te. Me makamba kokanga yo nde tozo kamwa, tozo tuna. Parce que biso to comprendre te, esika bozo sala musala batu ebele, bae kokumba kaka yo moko nde okeyi na police. Pona nini? Bisika ana na ebite ya papa. Est-ce que police tango yaki, etunaki, elukaki kombo na yo, liki aza, di aza? Te, baluki kombo na nga te. Baika mbala mako babwili yo. Nde baka inga yi. Patron azala ki wana nubaki ni? Patron azala rate. Responsable azala ki wana, azala nubaki ni? Responsable? Alubaki elu, azala ki pete. Chef. Chef ya butu wana. Musale sala makana chef, mokonzi moko azala ki wana. Wazala ki chef. Waza lagi chefu, ewa baka inga lubike, te, tosolola, botika e, balubite, tuzo memekara, tuzo keena e. Dokena e wapi? Neba mimanga na matadikibala. Osambi kuna? Na sambi kuna. Kepa opeji na? Bon, kumbwa opeji papa na ebi te. Na ebi kumbwa. Tango komi kosambe pa opeji, alubi osali ni? Opeji awala isanga. Tukangio tukangio na bouclage o boibi biloko abatu boibi $300 donc bakangio pamba te c'est impossible que bakanga mutu pamba ben na ebite papa o na yo kionga na biwa OPG c'est ce que nous disons constitution mubeko likonzi elobi mutu soki bokangi ye boyebisa ye tina nini bokangi ye
Yango OPJ a ébissio, mwana mboka yo, Likia, Die, oibi $300 ya moutou, songolo, oyoki, siko, oibi mbongo wana ndenge nini. Papa, nana ibi mbongo wana ki, moutou asal makambo wana, iza jeune o kabate. Ok. Maître, s'il vous plaît. Azapi. Kabasele. Zela. Somonike, Ezaki Pambate. Ezaki Natine. Kabasele, Tikarenan. Kabasele, il y a une bonne idée. Zobiko. Naebi était papa, nala sa na ramusala boulangerie. Toza quartier moro, mais toza côté moroté. Ne ba kanyi biso neke, na la police, ne la zora ote, ne ba kanyi bino eza jeune mobwe bozana e a. Ne la police est tortira ke depuis bakanga kiye. Ne ba beta kiye, ne a romota mola, na mutuka la police. Donc selon yo, kabasele mutwa tangi yo. Bon, na ebite papa so atanga ye mokoye okolo likambo. Hey, yoka, avant kabasele apesa aloba, yo muto tangi kabasele. Yo muto tangi kabasele, yo ebi ndenge nini ke kabasele ebi mbongo. Na ebite papa, ne na kasho ne tovandi, ne ba obeta masolo, na ba ninga na ye. Pungana na nga kamarad nete, na ebi epete. Donc, selon yo, kabasele mouto atangi yo. Neba ninga neba lobiwa ou baza a papa. Bazali? Bazali. Tangi la biso bango. Là, je l'ai à mon pied. Malembe, bonjour, intimité. Loba. Loba, Ozoyoka. Papa, bisogna se bakaï, bisogna mon afoula. Tu es bien l'eau au monde. Malembe, combien avocat la bango? Yo bakangi yo moko. Yo lobi, bakangi yo bakambo ya kabasele mutoyi bimbongo. N'est-ce pas? Bongo papa. Loba sikoyo. Nani mutu aibi sio ke kabasele aibi mbongo. Bango bazo wana. Bon. Bango bazo wana bao tangi. Bango bazo wana. Kamaradi na ye. Yamsu ana mutuka. Oh ya ebi bavanda na ye. Likia. Papa. Omoni bisu batente? Si. Yo lobi bao yo baza awa. Bazo loba. Kabasele aibi mbongo. Sibongo lobi. Bao baza papa. Donc tu kangamina bango. Bonjour. Kangamina mitifi moko. Bonjour. Yo mon ko zo sakala na biso. No mon ko zo sakala na biso. No mon biso ba tente. Si papa. Tout ça la kuna. Kabasele. Papa. Oibi mbongo. Oibi mbongo. Papa, il faut aller au bas. Prasamba, n'est-ce pas que nous sommes en train de nous faire des choses? Ah, on dit que nous sommes en train de nous faire des choses. Oui, d'accord, on est en train de nous Bon, papa, il y a qui. Mbongo boni. Ça y est, $300. $300. Yanan. Il y a vingt ans, mon bien, des années côté moi. Aza a comboté. Tony. Tony. Oui, bien, comme colonie. C'était bah, la dixième mois. Dixième mois. Oui. Oui, d'accord, on dégaine. Il y a un peu de temps. Azala kite Azala kite Boutou
Ça va. Et nous allons accorder la parole au ministère public et trois interventions. Kavassel et Awa. Quatre interventions de la défense parce qu'ils sont à deux. Et nous allons clôturer ici parce qu'il est déjà 17h30. Olivier Loba. Là, on va la zone qui coûte 500 dollars à l'an. Pour la zone, c'est qu'on a déjà comme colonne en haut, tant à 5 ans. Oui. C'est à l'égalité. Pour moi, là, moi, on a un aïe, moi aussi. Moi, là, moi encore. La zone, c'est l'équipe 60 dollars en aïe. Oh, abuso, t'es fait dans les boumaki. Ah, bah, foutu les TV, naïe, oh, boumaki. Donc, il y a un esprit qui a été dit qu'il va là. Ah, au pays, j'en ai un service chargé à Pékin. Il y a un tennis, bah, à Jean, naïe. Président, nous avons dit ici que le prévenu que nous avons trait devant votre guise de tribunal, c'est pour les actes de terrorisme. Mais c'est le président, le prévenu Likia, qui est devant votre guise de tribunal. En le voyant seulement, monsieur le président, vous allez refléter, monsieur le président, tout ce que Lombroso on a appris à l'université, monsieur le président. Il vient de dire ici, monsieur le président, que Nazalaki Kakakosa là-bas, ma part, Nazalaki Fourngaï Moko et tout. Monsieur le président, ce sont des gens qui causent la terreur au niveau de Mongafula. Surtout, monsieur le président, à Kindele. Dès que vous arrivez à Kindele, monsieur le président, vous allez l'appeler Yaya Limbi Sangai. Ce sont des gens, monsieur le président, qui ne pardonnent pas et qui ne tergiversent pas, monsieur le président. Voilà, il vient de vous dire que non, il a cabassé le moutoyiba qui mbongo patati patata et cabassé les passés aux aveux. Il voulait même, monsieur le président, citer avec qui ses complices. Ils ont eu à voler ces 300 dollars, monsieur le président, si votre guise de tribunal ne l'avait pas interdit. Il voulait citer les noms de ses collègues, de leur écurie qui sont allés voler cet argent. Et il vient de dire ici lui-même, Kabasele, en disant que la télévision est Bungaki. Télévision est Bungaki, monsieur le président, la télévision se trouve dans la maison. Mais comment est-ce que cette télévision s'est perdue, monsieur le président? C'est parce qu'ils ont causé des actes de terreur, monsieur le président, au niveau de Mongafula. Ils ont commis des actes de terreur, raison pour laquelle ils sont ici devant votre guise de tribunal. Ce n'est pas en vain, monsieur le président. Ils sont passés aux aveux. Voire même Kabassela voulait citer ses complices, monsieur le président. Nous avons dit. Quatre interventions de la défense. Il devait effectuer une descente sur le terrain. C'était un boulanger.
Et moi, je suis du quartier Kindele. Et nous savons ce que font les Kuluna, parce qu'ils sont tous victimes. Mais ce monsieur, il a été arrêté avec certains d'autres boulangers qui aujourd'hui sont à l'hypocrisie. Ils se sont arrêtés, nous avons des images. Ils ont porté une plainte contre les éléments de la police non auto-identifiés. C'est à 3h, à 6h qu'on fait le pain. Le pain chaud. On n'est pas à ces heures-là. Et il a été arrêté dans leur résidence où se trouve la boulangerie familiale. Nous avons les images, monsieur le président. Deuxième intervention. Monsieur le président. Vous allez les présenter au tribunal. Nous, c'est pour une observation. Allez-y. Monsieur le président, le tribunal de CA est saisi des faits. Lesquels les faits les ministères publics doivent vous les donner, nous découvrons ici, puisque ce n'est pas un dossier qui vient de son office, c'est un dossier qui découvre ensemble avec le ministère public. Puisque tous les prévenus, comme le cas de celui qui vient de passer ici, mais il a volé, il reconnaît avoir volé la journée. Comment, par quelle magie, le ministère public, au lieu de le déférer pour vol, mais on le défère devant le tribunal de Saint pour terrorisme. Merci. Qui n'est pas à confondre avec vol simple. Merci, le tribunal a compris. Troisième intervention. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Voilà, dès longtemps, monsieur le président, vous allez comprendre que lorsque le ministère public a pris la parole, le ministère public a fait allusion à la théorie de Lombroso. Le ministère public a fait allusion à la théorie de Lombroso. C'est-à-dire, le ministère public confirme qu'ils arrêtent les gens par apparence. Ils confirment qu'ils arrêtent les gens par apparence, monsieur le président. Et que ça n'a rien à voir avec le fait. Parce que l'infraction de terrorisme est bien détaillée. Par quel fait? C'est-à-dire, le prévenu par le devant votre tribunal a commis quel fait qu'on affilie au terrorisme. Le ministère public se limite seulement à dire il sème la terreur. Et cette terreur-là, par quel acte et dans quelles circonstances? C'est ça, monsieur le président. Ici, vous voyez, ils prennent les choses in globo, c'est-à-dire de façon globale, sans détailler, sans dire que tel a fait ça. Dans telles circonstances, monsieur le président, ce sont des faits graves. Le terrorisme, c'est une infraction grave. Une peine grave, monsieur le président. Il n'y a pas plus mieux que la liberté. Et lorsque vous voulez priver une personne de sa liberté autant d'années, il faut venir de la bonne manière et avec les faits avérés, monsieur le président. Nous avons dit. Merci. Quatrième et dernière intervention. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Monsieur le Président, comme le ministère public avait répliqué, nous voulons... Oui. Il n'y a pas de femmes ici. Vous avez dit que vous ne comparaissez que pour les femmes. Non, maître. Votre honneur, ce que la défense veut comprendre, est-ce que les prévenus, tous les prévenus, sont poursuivis en correcté ou en complicité? Merci. C'est de là que la défense va organiser sa défense. C'est là où nous allons commencer demain. Ok. À cette question. Okay. C'est noté. Bon fan de Dieu. Portez. Amen. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison, qui chasse en Galema, mon capitaine, l'audience de ce jour est suspendue. Les tenues sont à la disposition du ministère public pour l'ordre de passer. Veillez à l'ordre de sécurité pour le département. La banda va a
Est-ce que vous avez un nombre de bâtiments?